Tout le monde, hello guys, welcome back to my channel, it's Chloe. Alors aujourd'hui, on va faire un maman française vs maman philippienne. Donc c'est le premier vs qu'on fait, ça... Et ben vous allez voir ce que ça donne. Donc en fait, ceux qui savent pas ce que c'est, la maman française va faire des choses. Et on va comparer ce qu'elle fait à la maman philippienne et vice versa. C'est parti! Plus de batterie! Le chargeur est dans la cuisine. Je vais devoir le chercher. Voilà, je suis prête. Attends, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Ah oui, c'est vrai, elles sont dans ma chambre. J'ai bien pu les mettre. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Je les ai mis dans les toilettes. Je vais les chercher. Plus de batterie. Plus il est dans la cuisine, le chargeur. Chloé, tu peux aller chercher le chargeur dans la cuisine, s'il te plaît? Merci. Et voilà, prête pour partir. Il manque quelque chose. Les boucles d'oreilles. Sont où? Ah oui, dans la cuisine. Chloé, tu peux aller chercher mes boucles d'oreilles dans la cuisine, s'il te plaît? Merci. J'ai besoin de mes lunettes de soleil. Chloé, tu peux aller chercher mes lunettes de soleil, s'il te plaît? Mais je sais pas non plus où elles sont, moi. Bah, cherche-les. D'accord, merci. J'arrive pas à comprendre. Maman, tu peux venir m'aider pour un problème? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas quoi mettre pour la réponse A. Bah, c'est simple, réfléchis. C'est quoi la règle qu'on implique toujours avec l'auxiliaire avoir? C'est? Réfléchis! Réfléchis! Si elle te pose cette question, c'est que t'as déjà lu ça à l'école. J'arrive pas à trouver la réponse. Maman, tu peux m'aider pour un problème, s'il te plaît? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à trouver la règle avec l'auxiliaire avoir quelque chose comme ça. La règle avec l'auxiliaire avoir... c'est pas tu dois mettre un S à la fin du verbe, non? Non. Ah bah je sais pas, on regarde sur Google, moi j'en ai aucune idée. Chloé? 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 Oh Chloé! Non, oh, c'est joli ça. Chloé, Chloé, viens ici tout de suite, sinon je pars de la maison. Enfin, je pars du parc sans toi. Chloé, Chloé, mais où t'étais? Ça fait une heure, t'es partie. Une heure. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu recommences. Tu recommences. Et après, tu sais ce que tu as dit? Maman, je peux regarder la télé. Pourquoi vous êtes... Attends. T'as fait tes devoirs? Non. Ok, mais après, tu fais tes devoirs, hein. Pour pas que ta pose ni yang sa being. Je peux... T'as dit qu'une taille. C'est une urgence? Non. Ok, alors tu me diras ça plus tard. Ah. C'est gay. Bye! Oui, du coup... tu voulais quoi? Je peux regarder la télé. T'as fait tes devoirs? Non. Fais tes devoirs. Ah, moi je vais faire une sieste. Moi, je vais faire une petite sieste. Allez, hop là. Ah,
on va te mettre un petit peu de culture dans ta tête. Déjà, tu vas commencer par parler anglais avec moi. Hello, my name is Chloe. Repeat after me. Hello, my name is... No, it's not good. I don't understand. Bon, maman, je dois aller aux toilettes, là. In English, please. Maintenant, tu vas parler anglais à partir de maintenant. Ah, super, je parle anglais. Tu vas regarder tous les films en anglais. Tu vas parler anglais avec moi. Tu vas parler seulement anglais, même à l'école. Et tu vas parler anglais à ton chien. Tout ça. Tu vas apprendre des cours sur Duolingo et je vais te faire la grammaire. Ok? Oui, mais le... Comment dire? Chicken. Cuisse de pute de chicken. How say chicken in French? Qu'est-ce que tu lis? Ton bulletin. Il n'est pas très... fameux, dirais-je. De quoi mon bulletin? Ah, t'as reçu mon bulletin. Oui. Tu m'expliques ça, c'est quoi cette note? Faut que tu réapprennes le français, mon pauvre. Mets le fourchette sur le table. De quoi? Le fourchette. Tu sais ce que c'est un fourchette? Qu'est-ce que tu me dis? Le fourchette. Tu piques et tu manges. Le fourchette, manger. Tu me perds là. Perroinding ma couronog, ma French or what? Fin de cette vidéo, bien sûr, on aime notre maman, qu'elle soit française ou philippienne. C'est toujours la même dans notre cœur. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous. 1, 2, 3. Arrivederci. Hasta luego les amigos. Hasta luego les amigas. Salut.